Bonjour à tous, aujourd'hui pas de morning swing mais nous restons fidèles à notre récap de la veille. Dernière étape aux portes de la finale pour nos 4 équipes qualifiées. La compétition continue en match play et toujours sur 2 départs différents, l'un pour les matchs simples et l'autre pour les doubles. Pour cette demi-finale, l'équipe de Saïdia qui s'est montrée redoutable cette semaine se retrouve face au Royal Golf de Tanger. Le club Tanjaoui se montre d'ailleurs résistant vers l'équipe haute de la compétition, créant le suspense. Finalement, le sort des deux équipes se concrétise jusqu'au 18e trou lors du match double entre El Nourdine et Choubrak Isabelle de Tanger face à Hamini Rachid et Ashhad Mohamed. À ce moment, c'est finalement l'équipe de Saïdia qui valide son accès en finale en remportant 3,5 points. Les impressions de ceux qui gagnent, c'est bien sûr qu'on est heureux, très heureux. Je suis très content de mes joueurs, surtout. Enfin, tout le monde, les jeunes et les seniors, ils ont tous joué bien et ils ont mené leur mission à bien. Nos jeunes, ils ont très très bien joué. Ce sont des jeunes de l'académie de Saïdia. Nous sommes contents et heureux d'avoir des champions comme ça qui sont donnés par notre académie. Match également très serré pour le duo RGM et Tony Jacqueline de Marrakech, alors que Tony Jacqueline prend l'avantage dans les matchs simples avec 2,5 points. Le match nul entre les deux joueurs Elie Djabraoui de Marrakech et Behout Amin du RGM laisse encore place au suspense. Effectivement, les matchs doubles prennent une autre tournure. Les deux matchs doubles ont donné le point au RGM où la dernière partie se finit au trou numéro 5. Mais je suis très 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 fière de cette équipe magnifique qui a su assurer et qui s'est battue jusqu'à la fin avec des adversaires, contre nos amis qui ont super bien joué. C'était des parties très 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 serrées. Je félicite cette équipe magnifique. Bravo. Merci. Bravo. Bravo à Bidercher. Le match était très difficile contre Mohamedia. Ils ont des bons joueurs. Mais la partie était sympa. Le parcours est magnifique. On a beaucoup aimé ici à Saïdia jouer ici. C'est un parcours extraordinaire. Alors pour la partie, on félicite les gagnants bien sûr. Ils ont bien joué, ils méritent de gagner. Concernant les autres équipes qui jouent pour le classement, le Royal Golf d'Al Salem remporte largement les matchs contre le Royal Golf d'El Jadida. Autre scénario pour Wad Fez et le golf universitaire de Stade qui se sont retrouvés au final en play-off. Après un trou, le dernier point va pour Wad Fez. Dimanche, c'est la finale qui oppose donc RGM face au golf de Saïdia. Il s'agit d'une première. Les autres équipes continueront quant à elles les matchs pour le classement.